Je m'en souviens. Avec Gilles Prou. C'est une date qui nous a marqué en matière d'histoire. Si on parle de l'histoire du Québec, de la Nouvelle-France, mais comment ça s'est passé après tout? C'est à Montréal que ça s'est déroulé, un 8 septembre, devant le château de Ramsey. Avec la capitulation de Montréal, c'est la plus grande ville française d'Amérique qui passe dans le giron d'une autre culture, la langue anglaise. Alors celle-ci, pour essayer de s'imposer, va se faire outrancière, conquérante et contrôlante. Point d'anglais, point de salut. Mais pas tout à fait sur le coup quand même. On est nerveux. Les Anglais ont eu beau gagner et Lévis a brûlé ses drapeaux, les drapeaux de son roi, pour leur éviter justement l'indignité de tomber entre les mains anglaises. C'était à la mode dans le temps quand on battait une armée étrangère. On volait les drapeaux pour les apporter à son roi. Regardez comment j'ai gagné. Je vous rapporte les trophées de l'autre armée. Alors Lévis, sage, qui a été combatif jusqu'à la dernière minute. Ce n'eût été de lui, se sent encore battu à Montréal. Mais son patron ne voulait pas, M. de Vaudreuil. Et voilà qu'il a brûlé les drapeaux pour ne pas les mettre entre les mains des Anglais. Il a même brisé son épée également, avec le sourire presque approbateur des officiers anglais qui étaient derrière, sur la rue Notre-Dame, devant le château de Ramsey, là où est l'hôtel de ville. Oui, ils étaient approbateurs parce qu'ils trouvaient Lévis combatif et courageux. Alors, toujours est-il que pendant quelques années au début, c'est l'interrègne. Parce que, officiellement, le Canada, la Nouvelle-France, Montréal, tout ce monde-là vont passer en 1763 officiellement du côté de l'Angleterre. Alors, c'est l'interrègne. On est prudent. Et Montréal est à ce moment-là, on ne peut le dire, une ville bilingue par la force des choses. Et on attendait, parce que les Anglais n'étaient pas trop arrogants, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas briser les meubles, ils avaient conquis la ville, après tout, et ils ne savaient pas si le roi d'Angleterre aurait gain de cause dans sa négociation avec le roi de France, à savoir si la France cède ou pas le Canada. Alors tout ça, ça se passe le jour du 8 septembre 1760, quand le gouverneur Vaudreuil décide de signer avec Amherst, un général, qui campait à ce moment-là à la Chine, un acte de capitulation qui ne reconnaît même pas les honneurs de la guerre aux 3500 soldats de Lévis. Personne ne pouvait prévoir ce qui arriverait à Montréal à ce moment-là. C'est une situation flottante. Quelques 18 000 soldats britanniques en habits rouges sont là dans les alentours et, avec une écrasante majorité, ils se dirigent vers Montréal. Mais ils ne détruiront pas la ville pour les raisons que je vous rappelle, parce qu'il va y avoir une cohabitation tant et aussi longtemps que le traité de Paris ne décidera pas à qui va appartenir la Nouvelle-France, à la France ou à l'Angleterre. Alors, on attend de savoir
ce que leurs rois en Europe vont décider. Avant la capitulation, les troupes anglaises s'étaient montrées cruelles. Là, c'était la vraie guerre. Ils brûlaient tout sur leur passage, les fermes, tuaient les animaux, ils voulaient affamer la Nouvelle-France et il n'est plus question maintenant de se montrer aussi violent avec un pays qui est devenu l'enjeu de négociation. Alors, Amherst, une fois les troupes françaises parties, va jouer au gouvernant magnanime en attendant de voir ce que les rois vont décider. La capitulation de Montréal a donc valu à la ville d'être épargnée. Le traité lui-même était rédigé en français, langue internationale dans ce temps-là, langue qu'Amherst utilisa aussi souvent en échangeant avec les conquis jusqu'au traité de Paris qui va arriver, lui, en 1763. Alors, pourquoi reste-t-il si peu de vestiges de l'époque de la Nouvelle-France à Montréal? Ce n'est pas la guerre de 7 ans qui a détruit la ville de Montréal. Québec a été démoli pas mal. Mais Montréal a été envahi, tout simplement. Ni les années de l'administration d'Amherst. C'est l'obsession anglaise de dominer la métropole au 19e siècle et de construire à la britannique, partout à Montréal, qui fourmille d'édifices victoriens afin d'effacer ce qui restait de français. On veut faire disparaître les souvenirs de la Nouvelle-France. Bref, la capitulation de Montréal fait naître un mythe totalement faux et invraisemblable que d'autant vont néanmoins cultiver, par la suite en tout cas, avec obstination pour essayer d'endormir les Français, le mythe du Montréal bilingue. Le bilinguisme, je vous l'ai déjà dit, c'est de faire croire un lapin dans une cage avec un lion qu'il est égal au lion. En réalité, une langue augmente toujours aux dépens de l'autre. Et après avoir fait de beaux yeux conquis pour éviter qu'ils ne basculent pas du côté des Américains qui nous sollicitaient à ce moment-là, hein? Amherst va faire face plus tard à Washington, et également avec Lafayette qui vient nous séduire pour qu'on passe du côté des Américains. Alors, les Anglais avaient peur qu'on bascule de leur côté, de ces Américains. Le pouvoir britannique va montrer son vrai visage un peu plus tard. Et justement, cette image va se former avec une immigration massive en provenance de Grande-Bretagne, souvent irlandaise ou écossaise, des sujets qu'on traite de haut en Angleterre. On les incite à s'installer à Montréal pour anglifier Montréal et on va se faire une gloire de ne pas parler français. Dans l'ouest de Montréal, les gens qui ne maîtrisent que l'anglais nous chantent les vertus du bilinguisme. Récemment, le gouvernement libéral du Québec allait jusqu'à préconiser une 6e année bilingue, mais juste pour les francophones. Pas question d'enseigner le français aux Anglais dès la première année, si on voulait vraiment que le problème s'estompe. Quant à certains des pitres qui organisent officiellement le 375e anniversaire de Montréal à coups de millions de dollars, ils sont fiers de cette capitulation linguistique dont le franglais est le symptôme, ils ont tout ça drôle, et qui va se solder par notre disparition, lente mais évidente. Alors, on va le dire, et comme Pierre Bourgault l'avait répété souvent, cette image que je vous citais, c'est de faire croire le bilinguisme à un pauvre petit lapin qu'il est l'égal du lion dans la même cage. C'est triste, ces départs des Français de chez nous, la haute bourgeoisie,
il faut lire Les lendemains de veille du chanoine Lionel Groulx, un ouvrage saisissant qui nous raconte avec images ces Français, l'élite. L'élite, c'était qui? C'était les ingénieurs, les arpenteurs, les constructeurs, les commerçants, les hauts bourgeois et aussi la haute société militaire qui allait à la place Jacques-Cartier embarquer sur des barges plates, mettre leurs meubles, leurs tableaux, leurs poteries, etc., les femmes avec leurs beaux costumes, se laisser glisser sur le Saint-Laurent pour s'en aller vers Trois-Rivières ou Québec, prendre les gros bateaux pour entrer en Angleterre puis en France. C'est triste de dire gros, de voir justement ces barques glisser sur le fleuve et arriver au-devant de Longueuil, de Pointe-aux-Trembles, de Repentigny, des petits villages, la Nouvelle-France par exemple, de Sorel, et etc., pour aller jusqu'à Trois-Rivières et ensuite Québec, voir les habitants de la Nouvelle-France, nous autres, nos ancêtres, les saluer et leur faire des adieux. C'est ainsi que la vie française s'éteint chez nous. Et le premier geste que vont poser les Anglais, sont tout gentils jusqu'en 1763, tant qu'ils n'auront pas la confirmation de la conquête de la Nouvelle-France par eux-mêmes, le premier geste, ce sera le départ des Jésuites. Qui sont les Jésuites? C'est des religieux qui évangélisaient les Indiens, bien sûr, mais c'étaient les plus instruits, des gens persuasifs, des gens articulés. C'est l'avant-garde intellectuelle de l'Église. Alors, les Jésuites ont été nos plus vaillants aventuriers, longtemps avant l'éclosion du commerce, longtemps avant la conquête anglaise. Les coureurs des bois étaient attirés par le bois, on le sait, par l'aventure motivée par le goût de l'argent. Mais pendant ce temps-là, les missionnaires, eux, ont commencé par travailler pour Dieu et mettaient leur vie en péril, et souvent pour rien du tout. Certains finirent scalpés, brûlés, bouillis vifs, et parfois mangés, comme Jean de Brébeuf, par exemple, à qui on a donné un nom de collège, nom de rue aussi. Donc, les Jésuites vont être les premiers, ou la première organisation que visitèrent les Anglais triomphants après la guerre de 7 ans. Ils vont les chasser parce qu'ils appelaient justement ces gens-là des papistes. Et ils ont peur qu'ils influencent intellectuellement nos habitants restés ici. Alors ils ont marqué notre histoire pour le meilleur et pour le pire. Jamais les Jésuites n'auraient toléré qu'une immigration protestante française ou francophone vienne compromettre le statut résolument catholique de la colonie. Louis XIV avait décidé, après tout, dans des années antécédentes, que la Nouvelle-France devait être une colonie catholique. Alors que leur utopie d'une nouvelle Jérusalem en Amérique, c'était leur rêve, s'évanouissait, déjà au profit du commerce, de plus en plus intense et payant, les Jésuites ont vu leur influence diminuer pendant tout le 18e siècle. Et ironiquement, c'est la Grande Paix de 1701 qui réduit leur importance dans la colonie. Pendant les guerres contre les Amérindiens, les Jésuites faisaient office d'interprètes, de négociateurs, de traits d'union. Et paradoxalement, eux qui voulaient de longue date la paix entre les Indiens et les Européens, ils vont se trouver marginalisés par celle-ci, car la paix va arriver sous le signe non pas de la croix, mais du négoce des fourrures avec M. de Calière, comme je vous l'ai dit auparavant. Mais les Jésuites sont quand même influents et instructifs, et ça agace les Anglais de les voir dans nos murs s'il faut qu'ils éduquent les pauvres enfants des habitants.
qu'on ne dira jamais assez, c'est que les Jésuites ont été à l'origine de Montréal en tant que projet. Alors qu'ils fréquentent le collège jésuite de La Flèche, en France, Jérôme Leroyer, de la Dauversière, on voit son nom dans les rues du Vieux-Montréal, qui a pour camarade un certain René Descartes, hein? C'est un autre brillant élève, ça, formé par les Jésuites. Il entend les récits des premiers missionnaires jésuites, Jérôme de la Dauversière, il entend tous ces récits-là, et ça crée une énigme chez lui, ça crée un goût d'aller envoyer des congrégations religieuses, les installer en Nouvelle-France. Il entend les récits de ses premiers missionnaires et l'idée d'envoyer Maisonneuve un peu plus tard avec Jeanne Mance jeter les bases de Ville-Marie, ce projet consistant à fonder sur une terre nouvelle un peuple catholique neuf, issu du mélange des saints et on ne peut plus jésuites. Bref, notre ville est à l'origine un rêve de jésuites. En confisquant les biens de cet ordre de jésuites, papiste, incompatible avec le pouvoir britannique, protestant, les Anglais arrachent de ce qui devient leur province, de ce qui en était le ferment spirituel. Désormais, le commerce sera la priorité du gouvernement et son obsession et son but sera le commerce et le commerce et encore le commerce dans la mentalité protestante. Faudrait pas que les jésuites soient là. Quand les jésuites auront le droit de revenir au Canada, parce qu'on a beau les sacrer dehors au lendemain de la conquête, ils vont revenir un peu plus tard, grâce à Monseigneur Bourget. Alors, ils vont fonder nos grandes écoles d'élite, comme le collège Jean de Brébeuf. L'arrachement à l'influence jésuite après la conquête de M. Amherst et ses militaires nous a intellectuellement diminués pendant longtemps. Une partie de l'anti-intellectualisme des Québécois vient peut-être de là. Le catholicisme auquel nous avons eu droit pendant la revanche des berceaux n'était ni intrépide, ni chargé d'intelligence. Malgré l'immense effort de rattrapage effectué par les jésuites à leur retour, car ils reviendront près d'un siècle plus tard grâce à Monseigneur Bourget, comme je vous le mentionnais. Alors voilà, chers amis, pourquoi les jésuites vont être l'objet de déportation, entre guillemets, si on veut, de la part des Anglais de M. Amherst. Il y avait aussi un autre problème. C'était des intellectuels, des gens contestataires, intellectuellement parlant. Ils auraient pu influencer les colons au moment où l'armée française était partie, l'élite était partie. Ils auraient pu influencer les colons face à la menace qui provenait des Américains. Mais c'est vrai que les jésuites se seraient-ils rangés du côté des Américains? On peut en douter, parce que Monseigneur Briand, qui prend la tête de la Nouvelle-France, qui est devenue une colonie anglaise, en quelque sorte, ne favorisait pas, justement, le message projeté par Washington et Lafayette pour passer du côté des Américains. Avant longtemps, avant l'américanisation du monde actuel, Montréal fut américaine aussi, très brièvement quand même, parce qu'après la conquête, le 13 novembre 1775, les clés de la ville de Montréal seront remises au général Montgomery. En fait, c'est avant l'indépendance des États-Unis, proposée par Washington et Lafayette, que nous avons été conquis par ceux-ci qui étaient encore, pour peu de temps, les 13 colonies britanniques. Ils étaient encore des sujets britanniques. Et voilà que Montgomery vient nous occuper
ici à Montréal, s'installe au manoir ou au château de Ramsey, est arrivé avec ses troupes à la hauteur de la prairie. Il a regardé le fleuve Saint-Laurent, il voyait une île au bord, qui était l'île Saint-Paul, qui s'appellera l'île des Sœurs plus tard. Il envoie ses éclaireurs, traverse le fleuve, arrive dans l'île, il n'y a personne. L'armée va donc traverser à l'île des Sœurs. Et là, on va bivouaquer peut-être une semaine. Il va en profiter pour envoyer ses éclaireurs dans le vieux Montréal. Guy Carleton est le gouverneur, il est à Montréal. Lord Dorchester, comme on l'appellera plus tard. Guy Carleton, qui en 1774, un an avant Montgomery, nous avait donné le droit de conserver notre religion et notre langue, le droit de ne pas faire un serment, en tout cas, à la reine ou au roi. C'était quand même un acquis qui a été négocié grâce aux Américains. Parce que les Américains commençaient à parler d'indépendance, et là, les Anglais d'ici se disaient, on ne sera pas en moyen de se battre contre eux autres, on a les Français qu'on vient de gagner, il faut qu'ils se révoltent et écoutent les Lafayette et les Washington, nous sommes finis. Alors, Guy Carleton va donc nous céder l'acte de Québec de 1774. Et là, on est en 1775, le 13 novembre, et Montgomery arrive dans Vieux-Montréal. Guy Carleton a à peine 400 soldats avec lui, se sauve à Québec pour renforcer les troupes à Québec. Ils ont tout un problème, parce qu'ils ont renvoyé nombre de soldats en Angleterre au lendemain de la conquête. La dette était écrasante, et puis là, ils vont demander aux Américains... Vous êtes des sujets britanniques, vous deviez payer une partie de la dette, et c'est là qu'on leur impose une taxe sur le thé, le Boston Tea Party, dont vous avez entendu parler sans doute, ce qui va amener la révolte de Washington, des Bostonnais, et par la suite Lafayette qui embarque avec ses moyens financiers, par la suite l'armée française qui va venir se venger contre les Anglais, mais du côté américain seulement. Alors, quand arrive M. Montgomery, le général, on doit dire que ça a été une douce occupation. Nos conquérants américains, cette fois, ne venaient pas pour nous écraser ou nous dominer. Au contraire, ils voulaient qu'on se range avec eux autres. Ils venaient nous courtiser. Ils nous faisaient les yeux doux pour que nous les rejoignions dans leur guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne. La ville est alors déchirée. Les Britanniques se font petits dans leurs souliers. Quant aux Canadiens ou aux habitants, les voilà devant un dilemme. Impossible de savoir ce que nous serions devenus si nous avions embarqué dans la guerre d'indépendance avec les Américains aux côtés de Washington. Comment expliquer que nous soyons demeurés indifférents aux sirènes des patriotes américains? Cela s'explique par le fait que, pour un Canadien du 18e siècle, un Anglais, c'est un Anglais, qu'il soit américain ou britannique. Et de plus, l'Église de Monseigneur Briand soutenait que ces protestants militants américains qui viennent nous faire des beaux yeux vont nous faire perdre notre foi catholique, de même que notre langue, parce que la culture américaine va nous écraser. Il avait probablement raison. Il y a beaucoup d'historiens qui s'obstinent encore pour dire « on aurait dû passer avec les Américains, on aurait eu un statut spécial ». Voyant le bulldozer américain culturellement parlant agir, on peut en douter. Et Monseigneur Briand a probablement été sage. Comme il disait, ses voisins du Sud n'ont que faire du droit civil français. L'immense population des 13 colonies aurait tout fait de nous assimiler, nous engloutir. Mieux valait avoir un maître loin de chez nous, à Londres. Alors la couronne à Londres
Avant qu'elle soumette des nouvelles lois, elle aura traversé l'Atlantique et ça prend 2 à 3 mois. Il y a bien des choses qui peuvent se faire lorsqu'on prend une décision favorable ou défavorable pour l'ancienne Nouvelle-France. Alors, au lieu d'être soumis à la domination immédiate d'un voisin capable de nous écraser, nous envahir, nous assimiler, voilà ce que dit l'Acte de Québec de 1774, qui est également une offensive de charme à notre endroit de la part du souverain anglais. Ne nous permet-il pas de garder notre langue et notre religion? Lord Dorchester va nous articuler ce projet-là, cette concession-là, parce qu'il avait carrément peur que les forces américaines nous attirent dans leur giron à eux. Voilà pour ce volet, mes chers amis, le premier du régime anglais. Il y en aura 4 autres et je vous reviens la semaine prochaine. Au revoir.